de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et voici donc la Pologne contre l'Irlande du Nord. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Hello everybody, ravi d'être ici pour vous faire vivre cette rencontre. Les joueurs entonnent l'hymne national. Et regardons maintenant les deux compositions. Dans le vif du sujet. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Peut-être Robert Lewandowski. Il adore le jeu direct, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier, les ballons dans le dos des défenseurs. Oh, je vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Oh, Lewandowski. Autour de la défense, la frappe, attention! Le but pour la Pologne! Oh, c'était une énorme frappe! Quelle puissance! C'est merveilleux! Allez l'arrêter celle-là, tiens! Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Lewandowski. Grant. Bead. Et la bonne intervention. Rosicky cherche la verticalité. Oh, Lewandowski. C'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Oh, Lewandowski. Eh oui, mais ils ont quand même pris un coup sur la tête, là. Ils obtiennent la touche. Steve Davis. Le ballon a franchi la ligne. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Rosicky. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Oh, Lewandowski. Il a pris tout le monde de vitesse. C'est dommage, c'était bien parti. Thank you.
juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Défense bien présente. Błaszczykowski qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Błaszczykowski qui écarte le jeu. Oh, Lewandowski. Il peut en profiter. Oh, l'occasion. Oh, ça n'allait pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin il a dû se précipiter. Steve Davis. Quelle solidité, bien joué. Et sont en réussite parce que là c'était chaud. Ça peut partir en contre. Il tente de la jouer dans l'espace. Quelle occasion, attention! Aucun danger pour le gardien. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Błaszczykowski. Lewandowski. Quelle fait du bien cette interception. C'est osé. Encore une bonne intervention. C'est joué long. Mauvaise intervention, faute là-dessus. La défense bien présente. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. La tentative. Rosicky. Une très longue passe. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Oh, voici la furtie pour trouver la faille dans la défense. La passe est précise. Ouf, ils vont pouvoir un peu respirer. Błaszczykowski. Quelle solidité, bien joué. On peut y aller. Oh, et but. Le but. Il s'en est passé des choses dans cette première période. Quelle frappe monstrueuse, c'est imparable. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là. Je reprends sur un score de parité. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Et il n'arrive pas à se rapprocher. L'accélération.
Oh, le but! Et ils sont à nouveau devant. Quelle puissance dans la frappe, c'est rare de voir ça. Le gardien l'a bien vu venir, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Voici avec un but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Oh, Lewandowski. À quelques centimètres. Oh, c'était pas loin ça, à peine quelques centimètres. On est entré dans le temps additionnel. Il file dans l'axe. C'est joué long, attention. Blachikowski. Ça doit faire but. On le tire. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Et trois buts dans cette première période. Le score, 2-1. Et c'est reparti. Brunt. Il joue dans l'espace. Il tente de la jouer dans l'espace. Bon, voici Blachikowski. Dans l'espace. Le bon jaillissement. Johnny Evans qui cherche la faille. Un long ballon dans l'espace. Geste plein d'autorité, quel tacle! Rosicky, Blachikowski. À la régulière, il est battu, joli tacle. Dans le dos de la défense. Oh, voici Lafferty. Lafferty dans la boîte. Il ne s'est pas posé de questions. Joulon. Blachikowski. Rosicky. Oh, Lewandowski. Une occasion. Il a pris tout le monde de vitesse. Attention. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main. Bien joué. McGinn. Steve Davis. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Oh, Lewandowski. Blachikowski. Oh, Lewandowski. Il peut conclure. Oh oui. Incroyable, c'est comme s'il refuse tout simplement la défaite. Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Alors là, c'est tout simplement beau, dans l'intention et dans la réalisation.
voilà qu'ils ont de nouveau égalisé. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Ils glissent le ballon en profondeur. Oui, ils soignent leur pourcentage de possession. C'est toujours ça de pris. C'est intercepté. Enfin, un peu d'air pour la défense. C'est joué long. Attention. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Oh, Lewandowski. Pour trouver la faille dans la défense. Ça peut faire mal. Le but pour la Pologne. Voilà la situation complètement inversée. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils ont réussi à renverser la situation, mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout? Merde, ils jouent dans l'espace. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Ils tiennent le ballon, mais ils n'en font pas grand-chose. Quelle passe. C'est joué long, attention. McGinn. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il dégage bien ce ballon. Oh, Lewandowski. Il glisse le ballon en profondeur. Le voilà servi. Énorme occasion. Oh, c'est dedans. Ils creusent l'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. Oh, c'était une frappe monstrueuse. Et qu'est-ce qu'il a bien frappé dans la balle? Les gardiens n'avaient aucune chance. C'est reparti et il y a maintenant deux buts d'écart. Brandt. L'ouverture vers le poteau de corner. C'est bien ce qu'il fait là. Là, il peut centrer. Le centre est parti. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Et le cadre se dérobe largement. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent, mais de façon un peu désordonnée. Autour de la défense. McGinn. Blachikowski. Ouverture lumineuse. Brandt. Et la porte s'est refermée. Oh, Lewandowski. Oh, voici Blachikowski. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien fait, ça. Magnifique, il y avait danger. Ça bouge, côté gauche. Oh, voici la Ferti. Il tente de la jouer dans l'espace. Et il continue sa course. Voici un bon centre. La défense tient bon.
Le drapeau s'est levé, hors jeu. Le long dégagement du gardien. Le match est terminé. Et ils ont fini par craquer. C'est mentalement, sans doute, que le destin de cette rencontre s'est joué. J'ai surtout été surpris par la fragilité de l'axe de leur défense. Une zone qui est normalement bien protégée. Les attaquants adverses l'ont bien exploité. Et ça se traduit donc par une défaite. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. You and I.